Mesdames et Messieurs de la Presse, merci de votre présence. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Royaume du Maroc pour son accueil ainsi que pour son soutien sans faille au travail de l'Alliance des civilisations. Et je tiens à remercier particulièrement Sa Majesté Mohamed VI pour son engagement personnel et permanent en faveur du dialogue interreligieux. De la tolérance et de la diversité en tant que richesse de notre société et de notre monde. Je suis heureux d'être à Fès. C'est d'ailleurs ma troisième visite à la Médina que j'ai faite hier. Cette ville magnifique dont l'histoire riche représente un modèle de coexistence pacifique entre les religions. Dibn Khaldoum, père fondateur de la sociologie, Gerbert Doriac, qui a introduit les chiffres arabes en Europe y compris le zéro. Nous ne connaissions pas le zéro en Europe avant cette introduction. Ou encore Maïmonide, le rabbin qui avait été le médecin personnel de Saladin. Nombreux sont ceux qui ont été attirés par Fès, lieu de rencontre et de brassage des cultures. L'Alliance des civilisations a été créée afin de favoriser une plus grande compréhension entre les peuples et les nations. Elle incarne les valeurs fondamentales de la Charte des Nations Unies, notamment pratiquer la tolérance et vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage. Le thème de ce forum, vers une Alliance de paix, vivre ensemble comme une seule humanité, est d'autant plus significant aujourd'hui. Les forces de la discorde et de la haine trouvent un terrain fertile dans un paysage marqué par les injustices et les conflits. Des divisions croissantes menacent la paix et la sécurité mondiale, provoquent de nouvelles confrontations et rendent d'autant plus difficile la résolution de conflits anciens. Une rhétorique dangereuse fait monter les tensions nucléaires, les inégalités et les injustices se creusent. De nombreux pays du Sud étaient déjà durement touchés par la pandémie du Covid-19 et la crise climatique. Aujourd'hui, ils doivent faire face aux répercussions de la guerre en Ukraine, à la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, à une inflation galopante et au poids écrasant de la dette. Pendant ce temps, nous nous rapprochons dangereusement d'un précipice climatique. Et les discours de haine, la désinformation et les abus prolifèrent, ciblant en particulier les femmes et les communautés vulnérables. L'intolérance et l'irrationalité sont monnaies courantes. Dans ce contexte, les vieux démons l'antisémitisme, le sectarisme anti-musulman, persécution de chrétiens, la xénophobie et le racisme se réveillent à nouveau dans le monde. Ces afflictions haineuses et nuisibles s'alimentent mutuellement, elles suscitent des divisions et entravent toute action collective. Dans ce monde troublé, nous devons apaiser les tensions, favoriser l'inclusion et la cohésion sociale et faire émerger des sociétés plus unies et plus résilientes. La coopération est la seule voie possible pour faire progresser la paix, le développement durable et les droits humains. Le dialogue interculturel et interreligieux favorise le respect mutuel, la tolérance et l'unité au sein des communautés comme entre elles et contribue ainsi à rejeter l'extrémisme violent, les idéologies radicales, et les discours de haine. Aujourd'hui, l'Alliance constitue une plateforme mondiale unique où chacun, gouvernement, chef religieux, universitaire, médecin, entreprise, peuvent apporter sa pierre à l'édifice commun. Je voudrais exprimer ma reconnaissance aux chefs religieux du monde entier qui se donnent la main pour promouvoir le dialogue et l'harmonie interconfessionnelle. La déclaration Fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, co par Sa Sainteté le Pape François et son éminence le Grand Imam d'Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayeb, est un modèle de compassion et de solidarité humaine. Je voudrais aussi rendre hommage à la forte participation des jeunes au Forum. Leur implication est en sens essentielle à la réussite de tout effort de paix durable. Le Coran nous enseigne que Dieu a créé les nations et les tribus afin que nous nous connaissons les uns les autres. En cette période difficile, inspirons-nous dans ces mots de sagesse et restons unis en tant que famille humaine, une famille riche de sa diversité, égale en dignité et en droit, unie dans la solidarité.